qui se passe finalement du côté du Real Madrid après un mercato qui était annoncé comme sensationnel. Et on peut dire que ça a été le cas, parce qu'il y a eu l'arrivée de Kylian Mbappé, mais pour le moment, ça ne va pas du tout, pas du tout. Parce que là, au niveau des résultats, par la Supercoupe qui a été remportée, il n'y a pas. Il n'y a pas eu des résultats assez incroyables comme on pouvait s'y attendre parce que il y a eu 3 matchs à l'égal lors desquels le Real Madrid a peine à convaincre, notamment à travers son jeu au milieu de terrain qui était vraiment assez bruyant au cours des 3 premiers matchs. Et ça s'est vu au niveau du score. Parce qu'il y a eu, même au niveau de l'attaque aussi, il y a eu pas mal de problèmes parce que Kylian Mbappé, qui est titularisé à chaque fois, n'arrive toujours pas pour le moment à s'habituer donc à trouver les automatismes avec ses coéquipiers du Real Madrid. Donc c'est assez compliqué quand même, et pour le moment c'est pas évident, c'est pas évident. Il y a Mbappé qui est capable bien sûr de marquer des centaines de buts, mais là il faudra vraiment qu'il se réveille, il faudra vraiment que le Real Madrid et son coach Carlo Ancelotti trouvent les moyens en fait d'aligner l'équipe qui sera équilibrée, qui permettra donc au Real de remporter ces matchs comme c'était le cas la saison dernière.